La notion de proche, on la vit très concrètement à Genève dans plusieurs sens. Nous sommes une région transfrontalière, c'est bien connu, depuis de longues décennies, voire plusieurs siècles. Cette frontière, elle peut séparer, elle peut créer des complications. On peut le voir d'ailleurs en ce moment pendant la crise du coronavirus, puisque les règles ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Et malgré tout, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui traversent régulièrement, principalement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour d'autres raisons. Donc proche, la première signification pour moi, c'est bien sûr être voisin. Proche, ça veut dire être dans une proximité géographique, physique, et c'est très clairement le cas dans le Grand Genève, dans l'agglomération, malgré cette frontière. Et je disais souvent, je ne l'ai pas inventé, cette phrase, il faut une frontière qui crée plutôt une couture qu'une coupure. Mais proche, ça veut aussi dire avoir des points communs, d'être semblable, d'avoir des points d'accroche, des points de partage. Et je crois que ça s'applique aussi beaucoup à notre région, où nous avons un destin historique, mais aussi économique, social, humain, qui est commun malgré les difficultés, et que nous partageons ensemble, et sur lequel nous devons travailler au quotidien pour justement éliminer les obstacles et créer des liens plus forts. Donc je crois que réellement, la notion de proche et de proximité s'applique pleinement à Genève et à sa région.